De sel, du coup très maniable. Donc on a l'ABS de série dessus et on a un traction control. Alors vous allez me dire c'est pas très efficace pour une moto qui fait que 50 chevaux. Par contre vu qu'on a pas mal de couple, ça permettra d'être un peu plus docile. On est en échappement d'origine, donc au niveau du bruit c'est vrai que c'est pas fameux. Voilà, donc première prise en main, on est bien mis, on est assez confort, le réservoir est pas trop large, on l'a bien entre les jambes. Les deux cylindres qui sortent à côté n'ont pas trop d'effet néfaste sur la conduite. Voilà, c'est assez sympa à conduire, ça relance bien. Je dirais que c'est plutôt une machine de ville plutôt qu'une machine pour faire des longs trajets, ça va manquer un petit peu. Voilà, en gros, ce que je pourrais dire sur la moto du JV7. On va aller en direction de la ville pour faire notre essai comme d'habitude en mode ville et voir ce que ça peut donner en ville. A toutes. Donc on arrive dans notre partie essai ville avec la moto Guigny. Donc les premiers tours de roue, donc j'ai fait un petit périple sur une départementale et un petit bout d'autoroute que je vous ai pas filmé parce que après expérience vous êtes bien rendu compte que c'est pas terrible de filmer ni de commenter sur autoroute, on n'entend pas grand chose. Donc on a une moto qui est assez maniable. Le couple, on le sent bien, étant donné qu'en plus de ça, c'est un entraînement à cardan. Donc c'est pas mal, c'est assez réactif. On a un tracking control qui se connecte par contre un peu trop souvent à mon goût. On a un petit voyant rouge qui s'allume souvent pour nous inviter à passer les rapports. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment, vraiment rouler au couple. Parce que autrement... voilà, déjà vu, on a une panne conduite qui est souple et c'est pas très agréable d'autant plus. Voilà. Sinon, au niveau partie ville, je trouve que c'est assez maniable. C'est une moto qui peut se faufiler facilement droite-gauche. Ça a un couple, c'est pas un foudre de guerre, mais le couple est suffisant. Je dirais que c'est vraiment pour les gens qui débutent, qui adorent le côté néo-rétro. Voilà, là je pense que du coup vous avez une moto qui est plutôt pas mal. Une moto qui est légère, avec un couple assez sympa, c'est pas une foudre mais c'est pas mal. Voilà, on a un instrument de bord qui est assez efficace. Vous voyez, donc là on a un petit bouton mode à droite et qui nous permet de changer, donc on a la consommation. On a la température extérieure, donc vous voyez, il fait pas très chaud. Les rapports engagés, l'heure qui n'est pas à l'heure, et voilà, là c'est le mode avec les rapports engagés à gauche, et vous avez le MGCT qui est le tracking control avec plusieurs modes délivrés de 0 à 2. En toute honnêteté, j'ai pas réussi à le désactiver. On devait rester normalement appuyé dessus, je n'y arrive pas. À désactiver en roulant, c'est pareil. Donc voilà, c'est pas grave, on restera en mode 1.
quand vous mettez des petites accélérations à l'arrêt, vous sentez bien le moteur, hein, le bicylindre en V, vous le sentez vraiment bien. Vous le sentez taper sur les côtés, pas de là à vous déséquilibrer, mais vous le sentez. Voilà. Et donc là, c'est quand même, je trouve, assez sympa, parce que on arrive à s'offiler, on a une moto qui fait 213 kg. Encore une fois, c'est assez bien réparti, parce que vous les sentez pas plus que ça. Elle est silencieuse, hein. C'est une machine qui est assez silencieuse du fait de ses échappements. Mais c'est pas mal quelquefois d'avoir une machine silencieuse. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc c'est la cylindrée, c'est la 755 cm3 qui développe 52 chevaux et qui fait 60 Nm de couple. Donc là on est sur un modèle coloris bleu, donc il existe plusieurs coloris de tête, il me semble qu'il y a la kaki, la noire et la jaune qui est très très belle. Donc sur un modèle qui est avec une fourche en 40 mm, une fourche assez souple, on n'est pas sur un moto qui est raide, on a deux amortisseurs réglables en pré-charge à l'arrière, un système de freinage Brembo radial sur l'arrière ici, et également un freinage Brembo d'un seul disque avant équipé d'ABS. Donc c'est un freinage 4 pistons sur l'avant et 2 pistons sur l'arrière. On est sur un disque de 320 mm. Et comme je vous le disais, on est sur une fourche de 40 mm de diamètre. Donc on a ce bon vieux bicylindre de 755 cm3, bicylindre en V. Donc comme je le disais tout à l'heure dans l'essai, on est sur un bicylindre qui tape un petit peu à l'arrêt. Donc sur des accélérations franches, ça va nous faire bouger un petit peu la moto. En revanche, dès qu'on est en train de rouler, il n'y a pas de souci, c'est pas quelque chose qu'on ressent au volant de la moto. On a une hauteur de selle de 770 mm de hauteur, donc c'est plutôt raisonnable, c'est assez sympa pour les petits gabarits. C'est une moto qui pèse 213 kg en arrière de marche, mais qui est plutôt bien répartie et on ne sent pas trop le poids. En termes de compteur, on a un simple compteur sur le milieu qui nous fait un néo-rétro assez sympa. Donc équipé ABS et traction control, vous me direz, traction control c'est pas très efficace sur une machine qui fait 52 chevaux, mais vu qu'on a une accélération et un entraînement par cardan, on a une accélération assez franche, il y a pas mal de coups. Je dirais pas que c'est indispensable, mais c'est pas mal. Ça évite d'avoir des surprises. Donc ici vous avez un petit bouton mode qui vous permet d'accéder au tableau de bord. Le tableau de bord, donc vous avez le neutre, à gauche la température. Donc là on a une température de 16,5 degrés. Et donc vous avez la possibilité donc de changer. Donc là vous passez sur l'heure, bien sûr. Ici c'est donc MGCT, c'est le mode de traction control. Donc il va de 0 à 2. Là il est en minimum. Ensuite vous avez donc le odomètre, qui est le mètre. Vous avez les tripes. Le trip encore, le temps, le time, donc vous avez la possibilité de mettre un petit timer, c'est pas une machine de course mais pourquoi pas, et ici donc la consommation en instantané. On est dans l'ordre des 5 litres à 5 litres 5 en consommation, et voilà, là vous avez la consommation full totale. Petit démarrage également ici. Et les commandos basiques, donc éclairage, passing au niveau des feux et le klaxon qui est juste en dessous. On est sur un modèle qui est totalement d'origine, donc échappement d'origine. On n'a pas une mélodie oufissime, mais c'est plutôt sympa et c'est efficace. On va la démarrer afin que vous puissiez écouter le bruit.
à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour un essai Aprilia Dorsoduro. Je vous dis donc à bientôt. En attendant, likez, partagez et abonnez-vous. RS Motopassion. Salut!